Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 4 février, nous sommes en direct. Nous allons recevoir tout à l'heure Priscilla, non pas la chanteuse, mais l'actrice, puisqu'elle joue dans une série qui sera diffusée pendant les vacances de février à la place de cette émission. Voilà le programme, on commence tout de suite par une idée. Tout de suite, on va accueillir quelqu'un que vous connaissez plutôt en tant que chanteuse, mais c'est aussi une actrice. Quand c'est au programme, va s'arrêter pendant les vacances scolaires, car hélas, je dis bien hélas, nous nous arrêtons pendant les vacances scolaires de février, de Pâques, etc. Vous voulez savoir ce que France 2 a l'intention de diffuser pendant notre absence? Eh bien, ça va ressembler à ça. Voilà, alors si je vous dis école, professeur de danse, de chant, apprenti artiste, évidemment vous pensez à Fame. Hein, bon, bah là ça ressemble un petit peu à ça. Bonjour Priscilla, merci d'être là avec nous. Bonjour. Là on vous a vu chanter et danser, ça c'est pas très surprenant. On va vous voir jouer dans cette série. Oui. Parlez-nous de ce personnage. Ben, je m'appelle Tina Ravel dans la série, j'ai 18 ans, donc je viens d'avoir mon bac et je suis passionnée par le chant et la danse et je voudrais intégrer une très grande école qui s'appelle Studio 24. Ouais. Et bon, à côté de ça, plein de petites intrigues d'amitié, d'amourette et tout ça. Et en fait, mes parents sont mutés en Allemagne pour le travail et normalement je devrais les suivre, mais je décide de... On dit pas. Ah. On ne dit pas parce qu'on a justement un extrait. Non mais c'est bien, on va appâter. On peut dire que c'est une sorte de Fame version française 2008. Oui, on va dire que c'est ça parce qu'il y a du chant, de la danse, de la comédie. Voilà. Donc a priori, les enfants et les jeunes vont adorer cette série, ça tombe bien parce que c'est diffusé pendant les vacances à partir de 10h-20. Juste à notre place, regardez un extrait. Je l'ai eu, Je suis pas trop forte quand même. Cache ta joie surtout. Tina, il faut qu'on se parle. Moi aussi j'ai un truc à te dire. Je peux commencer? J'ai passé le concours au studio 24. Vous allez pas me croire, mais j'ai été prise. Vous pourriez être content. C'est un concours super difficile à avoir. Tina, faut qu'on me dise quelque chose. Nous sommes mutés au Centre Européen des Opérations Spatiales. Bah vous cartonnez, je cartonne. Je vois pas où est le problème. Putain, mais t'es lente, toi, ou quoi? C'est-à-dire qu'on doit déménager à l'autre bout du monde. Et t'attends pas à aller à Hollywood, hein? Non, non, non. Nous, on va à Darmstadt, en enfer. Tu peux en faire du spectacle à la fac de droit, hein? Il y a plein d'activités. Tu penses que je vais faire une croix sur l'école? Ah bah oui. Parce que sinon, c'est pas drôle. Faut bien que les parents montrent qui a l'autorité. Tina, on s'en va, il n'y a personne ici qui puisse te prendre en charge. De toute façon, cette école, c'est une lubie, ça te passera. Et puis ta mère a raison. Là-bas aussi, tu pourras chanter. Franchement, sur ce coup-là, les parents chaillent ça, ouais. Alors, c'est tourné à Marseille, comme le dit Damien, très justement. Dis donc, vous commencez à poser des questions et des remarques juste dès le lundi matin. C'est beaucoup, je trouve, hein, pour un début de semaine. c'est tourné à Marseille. Donc, Marseille, très tendance, puisque c'est là aussi qui est tourné Plus belle la vie, le feuilleton qui cartonne sur France 3. Priscilla, on imagine forcément qu'il y a énormément de points communs entre l'héroïne et vous et votre parcours personnel. Oui, c'est sûr, parce qu'on a, au départ les mêmes passions. C'est vrai qu'on n'a pas démarré pareil, mais sur ce truc-là, on se rejoint, ouais. Quand vous étiez petite, est-ce que vous, y pensiez, non pas en vous rasant, mais est-ce que vous pensiez, je dis ça parce que c'est un... Ah bah oui, référence politique. Est-ce que vous vouliez être chanteuse? En général, quand on demande aux petites filles ce qu'elles veulent faire, elles disent maîtresse ou de plus en plus depuis qu'il y a des émissions. Ah, maîtresse d'école. Oui, oui, maîtresse. Excusez-moi, je... Non, vous êtes totalement déformée. Je ne savais pas que c'était un métier, on pouvait en faire un métier. Moi, je faisais ça tout simplement parce que, j'ai voulu faire une première émission pour voir l'envers du décor, comment ça se tournait, l'ambiance avec le public. Voilà, c'était plus pour découvrir ça qu'autre chose. À quel âge, vous? La première émission, 11 ans. 11 ans. Mmh. Ouais, donc vous aviez quand même ça en vous, hein, on n'arrive pas là par hasard. J'aimais, ouais, j'aimais bien ça, ouais. Évidemment, donc Sophie le disait, beaucoup de petites filles vont rêver en voyant votre personnage, parce que c'est vrai que c'est énormément tendance maintenant.
C'est affolant comme les petites filles veulent devenir célèbres. C'est-à-dire, c'est même plus, je veux devenir star. Voilà, je veux devenir star. Donc là, les mamans, faites attention parce que. Mais qu'est-ce que vous dites à ça, justement, vous Attention. Est-ce que vous les freinez? Est-ce que vous leur dites attention? Est-ce que vous leur dites vivez votre rêve, allez au bout de vos envies? Non, c'est plus. Oui, c'est aller au bout de vos envies, c'est sûr. C'est vraiment une passion si vous le sentez et si c'est pas une lubie, bien sûr. Mais je pense que star, c'est pas le bon mot. Je pense que c'est plutôt artiste. Star, c'est quelqu'un qui est déjà. Enfin, moi, je me considère pas du tout comme une star. C'est-à-dire que je m'épanouis dans ce que je fais et c'est très bien. Une star, pour moi, c'est quelqu'un de très connu. Il faut durer. C'est surtout en général, on mesure un statut de star sur la durée, parce que c'est bien de faire une chanson, deux chansons, un succès, mais il faut la pérennité, quoi. Donc vous épanouissez dans ce rôle-là d'artiste. Le fait de jouer dans une série comme ça, c'est une corde de plus à votre arc. Vous y avez pris du plaisir? J'ai pris énormément de plaisir et j'ai rencontré des gens formidables, que ce soit les danseurs, les comédiens, même l'équipe, hein, les électros, les machinaux. Tout le monde était vraiment lié et on a passé 4 mois vraiment de rêve. Et une petite question technique, Priscilla, est-ce que les gens qui chantent dans la série chantent vraiment dans la vie? Parce que parfois ils sont doublés, etc. On a vraiment pris des artistes multi-talentueux. Ils chantent dans la vie, mais pour eux, pour eux-mêmes, quoi. D'accord. Comme, voilà. C'est-à-dire, la douche. Je suis pas dans le feu. Ça, vous savez. Je suis pas dans le feuilleton. Sous votre nouvelle douche, elle est terminée ou pas? Elle est pas finie, je chante pas en ce moment. C'est moi qui se fait construire une douche, elle est toujours pas finie. Oui, bon, 6 mois, vous exagérez un peu. On va voir quand même des images, donc on disait que c'est vrai que c'est un peu. D'ailleurs, j'en profite. Messieurs les ouvriers, au lieu de regarder l'émission, si vous pouviez terminer la douche. J'espère qu'ils sont pas devant la télé. Non, alors, on va voir quelques images, donc on disait que c'est un film à la française. Regardez, c'est vrai qu'il y a cette espèce d'ambiance. Mais non, il y a des dialogues, mais il y a aussi beaucoup de scènes chantées. Bien sûr. C'est Manon, la méchante. Voilà, alors il y a une méchante. Il y a ma meilleure amie juste à côté. Voilà. Bon, c'est un peu manichéen, mais on aime bien en général, il y a toujours le méchant. Quels sont les points forts alors de cette série? En quoi vous pensez que ça va séduire? Tout simplement parce que je pense qu'on y a mis beaucoup de nous-mêmes dans cette série et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'identifient à des métiers comme ça, avec du chant et de la danse. Donc je pense que. Voilà, c'est ça qui attire les gens. La réalisation est assez dynamique aussi, souvent caméra à l'épaule, donc ça bouge, c'est pas statique, ça peut aussi contribuer à apporter beaucoup de peps à cette série. Donc il y a combien de numéros là qui seront diffusés sur France 2? Alors, ça dure 2 semaines? Ah non, plus que ça. Non, plein de fois, parce qu'en plus on m'a dit que c'était donc diffusé le mercredi et le samedi matin dans KD2A sur France 2, ainsi que tous les jours pendant les vacances scolaires c'est à partir ça. De février. Il y a 26 épisodes en tout. D'accord. Et il y aura une suite? Certainement. Parce qu'il y a une intrigue à la fin, on ne sait pas trop si oui ou non. Donc, oui, la porte est ouverte à une suite. Mais ils sont malins, les scénaristes, c'est normal. On ne va pas tout arrêter au bout de 26. Vous mettez un petit truc qui peut faire continuer. Si ça plaît aux gens, on espère vraiment leur faire plaisir avec 26 nouveaux épisodes, peut-être. Et alors, est-ce qu'il y a suffisamment d'ingrédients négatifs? Vous savez, Plus belle la vie, au début, ça marchait moyen. On a rajouté des choses un peu corrosives, des mauvais sentiments, des gens qui n'agissent pas forcément pour c'est le. C'est vrai que c'est amusant mieux. De voir la façon dont Plus belle la vie était réorientée. Très sincèrement, j'ai pas vu les 26, Sophie, donc peut-être que Priscilla peut nous répondre. Vous n'avez pas vu? Mais non. Vous faites quoi alors? Je travaille un peu, mais 26 vous fois 26 minutes. Épisodes j'ai ma douche, hein, vous êtes gentil. Oui, j'imagine qu'il y a des intrigues à la fin, enfin en tout cas à la fin de la première, déjà on se demande est-ce que les parents vont accepter qu'elle fasse voilà, une école. Voilà, c'est toute une histoire, hein, ouais. Vraiment. Très bien. Merci en tout cas d'être venue. Il y a des projets de scène en tant que chanteuse, Priscilla? Il y a le nouvel album là, qui est sorti donc, le 10 décembre, qui s'appelle Casse comme du verre. Voilà. Et certainement, oui, une tournée, c'est en discussion pour cette année, peut-être. Très bien. Merci d'être venue nous voir. Merci beaucoup à vous. On va rester dans le sud de la France pour parler d'un immense acteur qui disparaissait il y a 100 ans. Enfin, il y a 100 ans, il faisait ses débuts de comédien à l'Alcazar de Marseille. Mais il est parti en quelle année, en fait? 1946. On parle de Rému, le génialissime Rému, dont Orson Welles disait que c'était le plus grand acteur du siècle. Rému, on l'adore évidemment. Pourquoi on en parle ce matin? Parce que c'est un double anniversaire. Donc il y a 100 ans, 1908, Rému débutait en tant que petite vedette à l'Alcazar de Marseille. Et on fête également les 70 ans de La femme du boulanger, puisque c'était en 1938. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il existe un musée Rému à Cogolin, donc à 10 km de Saint-Tropez. À Cogolin. Vous avez des stars de cinéma ou des grandes vedettes dont vous vous inspirez qui incarne pour vous ce qui se fait de mieux, non? Au cinéma, moi, Rému, par exemple, ça vous parle, à vous? Très jeune pas comédienne. Trop, pas la femme. La femme. Non, dans Marius, Fanny, César, oui, non, ça, voilà, oui, c'est lui, sûr. C'est le père, c'est le moustachu, voilà. Okay. Donc, qui sont vos modèles, vous, Priscilla?
C'est vrai que je viens à peine de rentrer dans, dans cette corde-là, donc j'ai pas quoi, encore... De Funès, Bourville, de Long, de Pardieu... Peut-être une femme, non? Oui, comme j'ai oui alors... Romy Schneider. Ah, Funès, Romy Schneider. Oui, éventuellement. Bon. Bon, d'accord. Jeanne Moreau. Oui, il y a des jeunes actrices. Moi, je parle de mes copines. Je parle de mes copines. Ah, ben non, mais dans les jeunes, on a Julie Ferrier qui va faire une très très belle carrière. Non, mais vous n'avez pas un modèle de chanteuse, actrice, quelqu'un qui sait tout faire J'aime. Bon, elle chante pas forcément, mais j'aime beaucoup la jeune fille qui joue dans Oni. Son prénom m'échappe. Mais, Oni. Ouais. Bah, moi aussi, hein, ça m'échappe. Ah, vous vouliez du moderne, vous avez du moderne, Sophie. Jessica Alba, Jessica Alba. Ah, bah, oui. Je ne chante pas forcément, mais voilà. Bien sûr. Bon, alors, et Britney qui a joué dans Crossroads quand même. Voilà. Britney Spears, c'est un bébé, Sophie, elle est jeune. Nous, Britney Spears, c'est déjà très. Non, pas sa prestation n'était pas très remarquée non plus dans ce film. Non, mais moi, j'ai aimé ce film. Voilà. Ah, bon, bah, très bien. Alors, on va donc voir... Alors, de Britney Spears à Rému, il n'y a qu'un pas. Rému, parenthèse, il s'appelait Jules Murer. Et c'est le premier qui a inventé le verlan. Murer, Rému. Il a inversé ses consonnes. Ah, pas mal. Voilà, pas mal. Donc, c'est un musée tenu par sa petite fille. Le musée Rému, il est à Cogolin. Ben, c'est évidemment, c'est l'âme de Rému qui plane sur ce bel endroit. Et on entend des répliques cultes en visitant ce musée. Regardez. Il vaut mieux chanter, c'est mieux. Si je reste à P1, il doit partir à P2. Non, c'est un clin d'œil. Ouais. Très modeste. Comment ça se fait qu'elle n'ait pas l'accent, sa fille? C'est une bonne question. Ah bon, c'est extraordinaire, la fille. Génial, quelle famille. Isabelle, ouais. Lue, les autres comédiens se disent, mais c'est un sacrilège, ils sentent qu'il y a du potentiel. Donc ils ne disent rien. Et le soir de la première, sans l'accord de Pagnol, ils réintègrent la partie de cartes. Avec qui Rému s'entendait bien et parfois sans rien. Vous lui demandez s'il connaît un comédien français de référence, il vous cite. Très bien. Oui. On va rappeler à propos de Priscilla le nom de la série, donc ça s'appelle Chante. Vous pourrez la retrouver le mercredi et le samedi matin, d'une manière générale, sur France 2. Et puis pendant les vacances de février. Oui, tous les jours, à notre horaire. Voilà. Donc, mais revenez nous voir quand même. À notre horaire, c'est-à-dire. Est-ce que ça sera plus fixe que le nôtre ou pas? Ou un horaire un peu improbable entre 9h30 et 10h-10? Sur le matin, on reste sur France 2, on ne va pas ailleurs, donc il n'y a pas de souci. Très bien. Donc à cet horaire, improbable. Quelle est la question qui vous permet de gagner un cadran photo? Qu'on embrasse. Très bien. Pourquoi vous avez oublié de les citer? Tout à l'heure, on citait les grands, Romy Schneider, Jeanne Moreau, Annie Girardot. Donc ça, c'était le gagnant de vendredi. Est-ce que je vous donne aussi le gagnant de jeudi? Vous l'avez peut-être? Et le gagnant de mardi? Non, bon, d'accord. Ok, d'accord, il suffit de le dire. Priscilla, je ne sais pas si vous aimez la cuisine, mais je vous invite, c'est souvent une catastrophe. Oui, parce qu'ils deviennent tout mous. Parce qu'ils deviennent tout mous. Oui, est-ce qu'il y a des astuces pour cuire ça, de manière à ce que ça ne soit pas trop caoutchouteux? Il faut que ce soit frais. Voilà. Et à partir de là, on fait cuire ou peu de temps ou très très longtemps. Ah là, bon, ça devient un peu mou à la fin. Quand c'est... Mais bon, on fait des tas de blancs de sèche mijotés au Pays Basque, vous connaissez ça, avec Oui, avec des poivrons, des choses comme ça. Donc là, ça peut être très très mijoté. Là, tout simplement. Oui, donc comme c'est coupé très fin, ça va cuire. Mais on la met pas avant? Non, on va la mettre après. Donc pendant qu'on laisse les sèches poêler, on va de quoi? Une salade de poules d'épinards. Excellent pour un peu d'ail râpé. Fleur de sel. Vinaigre de vin. La même chose en vinaigre balsamique. Ouais. Un bon vinaigre balsamique, mais pas spécialement vieux. Et puis de l'huile d'olive. Voilà. On mélange. Allez. Travaillez un peu là. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais. Très bien ça. Vous voyez, ça va vite. Comment, voyez, ça? Ça s'appelle un petit poisson, c'est un petit. Une touillette. C'est bien pour les petits. Voilà, génial. Une touillette. Une touillette. Très bien. Et donc j'en ai fait un petit peu tout à l'heure. Donc mélange de vinaigre, de vin et balsamique. On mélange pas que ce soit trop sucré. Non, faut pas. Non, il faut. L'acidité du vinaigre de vin est importante dedans. Hein. On a besoin de ça. On va réveiller à la fin par du citron. C'est vraiment important. Donc là, on met la chapelure maintenant, une fois que c'est doré comme ça. Qui va éponger le grain. Oui, puis donner un petit côté un peu croustillant, un petit peu. J'aurais pensé que. Pardon. Je veux dire une fricassée de petits poissons. Ça ressemble. De loin. Oui. Comme des gardons. Comme des voilà. Oui, des c'est jeunes, vrai, oui. Comme dans le sud, oui. Alors, l'ail, bien entendu, encore de l'ail, on râpe, on y va, parce que c'est tellement bon. Voilà. Voilà. Faut pas s'embrasser. Puis le matin, c'est plus grand que ça. Du persil plat important, hein, le frisé n'a aucun goût. Ça sent bon, ça. Hein. Bah oui. Très, très bon.
tout seul. Très bon, délicieux. Vous avez... Mais non, mais enfin, Sophie, c'est quoi ça? Pour fatiguer la salade. Il faut que je... Oui, mais oui. Merci, monsieur. Ça veut dire qu'il faut mettre la sauce et la remuer. Voilà, exactement. Moi, j'aime pas trop qu'elle soit fatiguée, justement. Non, mais... J'aime bien la mettre au dernier moment. Voilà. Voilà. Donc, on remue. On remue. On remue. Et puis, C'est trop fort, ce matin. Là. Et pourtant, hein, malgré l'altitude, parce qu'il faut redescendre de l'altitude. Oui, et le problème, c'est que les cellules ont du mal à redescendre. Elles sont un peu gelées, c'est ça. Oui. C'est bon, là, vous l'avez assez remue. J'avais dit que j'aurais dû respecter les paliers de décompression, c'est vrai. Je crois que c'est assez mélangé, ça va aller, là. Bon, alors, ça, c'est remué. Et voilà. On a une petite assiette. Non, parce qu'on va manger dans la gamelle, direct. Hein. Ah. Non. Très joli. Donc l'idée de ces salades, c'est de mélanger le chaud et le froid, j'imagine, le croustillant et le mou. Parce que quand même, regardez quand même, ça c'est de la cuisine innovante, sympathique, créative, facile à faire. Très. Si je sais le faire, tout le monde peut le faire. Ouais. Enfin, ça, là, vous exagérez un tout petit peu, Mému, excusez-moi, un tout petit peu. Alors, du citron. Et du citron. Je mets la main devant parce que les pépins, c'est franchement désagréable. Voilà, un petit coup de poivre. Et c'est à vous de travailler. Parce qu'en fait, là, il y a cette heure-ci, ça ne fait pas la personne. Hein? Donc, allez-y. Alors, qui goûte la salade à l'ail Priscilla? Vous n'avez pas de rendez-vous dans la matinée? Ah, si, justement. C'est pas super. J'ai pas de rendez-vous, moi. C'est gentil, quand même. J'ai pas de rendez-vous, donc c'est bon. Bon, allez-y, donc dites-nous. Ouais, mais ça a l'air chaud, attention. Hein. Bon, moi aussi, je goûte ça. Bah ouais, ça a l'air super bon. C'est chaud, mais c'est bon. Non? Oui. Ah, c'est si vraiment, c'est 5 minutes délicieux. De préparation, de cuisson, Le teinturier n'est pas inclus dans le budget. J'ai aspergé votre très jolie cravate, c'est dommage. Vous avez aspergé ma cravate, c'est pas. C'est dommage. Bon, ça, c'est des salades qu'on peut faire en entrée, mais aussi on peut le faire en plat, carrément. C'est super bon. Difficile à manger, quand même. C'est genre une petite soupe avant, et puis c'est vraiment un repas. C'est pas de problème. C'est équilibré, il y a tout. Délicieux. Vraiment délicieux. Tu veux quoi? On pourrait même rajouter des petits pignons, des petits trucs un peu croustillants. Oui, absolument. Hein? Des petits pignons. Des petites... Passer à la poêle. Oui, tout à fait. Passer à la poêle juste pour... La fameuse sauce du Pays Basque, Chipister. Oui, c'est vrai. Ça serait bien là-dedans. C'est une très bonne sauce bien pour acidulé, les faire bien cuire. Acide. Vous mettez quelques gouttes dans la poêle au-dessus des blancs de sèche, mais là on est au Pays Basque. Et puis aussi on peut les faire cuire à la plancha, c'est encore mieux. Voilà, mais là, on rêve, on est au Pays Basque, quoi. C'est tout à fait pareil. C'est délicieux. Cette recette de Mumu, la salade de blanc de sèche à l'ail, vous la retrouvez sur notre site internet. Demain matin, Damien, nous aurons le plaisir d'accueillir ici Nicoletta, qui sera notre invitée, qui vient de publier un livre qui s'appelle La Maison d'en face, dans lequel, pour la première fois, parce qu'elle a toujours été très discrète sur sa vie privée, Nicoletta, pour la première fois, elle se livre et on découvre une enfance étonnamment difficile. Donc là, c'est un bel exemple de ce que Boris Cyrulnik appelle la résilience, puisqu'elle a surmonté sa tristesse, parfois les difficultés familiales pour faire la carrière qu'on lui connaît et que vous ne connaissez peut-être pas tout à fait, justement. On en parlera avec elle demain matin. Et puis, au programme de demain, ce sera de la santé et du bien-être. Vous connaissez le fameux régime crétois qui fabrique des centenaires. Eh bien, Christelle, demain, va vous donner d'autres clés pour bien vieillir grâce à votre assiette. Alors là, ça, c'est parfait. On y est, hein, pile poil, des épinards, des sèches, c'est très bien. Excellente journée sur France 2. Priscilla, le mercredi, le samedi, dans la série Chance. Le nouvel album. Et le nouvel album. Merci. Et puis nous, on se retrouve demain en direct à partir de 10h.